running through the city. City on my back, back then ain't nothing changed, but the money on my lap, lap till I'm in the game, game time. Hey yo les gens, ici Strax. Aujourd'hui nous allons nous retrouver pour la démo de NBA Live 16. Donc voilà, là ça va être ça va être un petit match entre les Cavs et le Thunder, parce que tout simplement le Thunder il a l'effigie du jeu qui est tout simplement Russell Westbrook. Alors voilà, à mon avis on va contrôler le Thunder. On verra bien si on aura la possibilité de venir à bout de cette équipe des Cavs ou si tout simplement on va réussir à aller en prolongation ou si on va perdre le match. Mais voilà, à mon avis, l'homme de la situation, voilà, ça sera Russell Westbrook. Ok, Russell Westbrook. Et ça passe. Et ça passe, bah voilà. Et ça passe, et ça passe, et du coup c'est la victoire. Victory, bien joué Russell Westbrook. Et voilà, donc la démo qui tout simplement commence comme ça. Bah en même temps, à mon avis, peu importe le tir qu'on allait prendre, ça allait rentrer. Enfin, je pense, après, je suis pas sûr. On n'est jamais sûr de rien, mais bon, voilà. Alors, jouer l'intégralité, ok. Donc 28% de l'installation, ça on verra par la suite. Donc au pire des cas, ce que je ferai, c'est que je ferai un petit coupé. Donc 28% de l'installation, pourquoi c'est coupé? Continuer vers NBA Live 2016. Donc attendez, on va juste voir un truc. Donc là, je suis sur un autre compte. Tout simplement, ok, d'accord. Parce qu'en fait, il y aura ça aussi à télécharger. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans un premier temps avec la démo en faisant l'intégralité d'un match. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Et par la suite, on fera, comment ça s'appelle? On fera les différents modes qui sont justement présents dans le jeu. Donc là, on aura le droit justement aux présentations et tout. Le Thunder, donc le numéro 35, Kevin Durant. Bon, on va aller faire en version normale et tout, pas besoin de faire ça. Donc là, le mentor de cette équipe des Cavs qui est tout simplement LeBron James. Alors là, voilà, dans cette saison-là. Ok, donc Timothée Mozgov, Kevin Love et tout. Enfin voilà, il y a à peine le temps de voir Kenter, Ibaka, Durant, Waiters ainsi que Russell Westbrook. C'est ok, donc du coup on doit contrôler le Thunder et on a la balle, on a la balle. Donc après, pas de soucis. Alors il va falloir que je m'habitue un petit peu au niveau des touches et tout. Peut-être que j'aurais dû baisser l'intensité, je sais pas du tout comment ça va se passer parce que j'ai pas du tout l'habitude de jouer avec, comment dire... Enfin, de jouer avec cette vue-là de une. Et même en... Oula, oula, oula. Ok. Ouh, Kenter. Il n'y a pas une petite... Ouais, si, il y a faute. Il y a faute. Ouais, j'ai pas l'habitude aussi de jouer à NBA Live, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que, justement, j'avais des petites craintes et du coup le premier lancé qui passe. Peut-être que... Non, je vais pas jouer avec la caméra tout. Okay, on va essayer de s'adapter. Ok, 78%, d'accord, j'ai bien tiré. Et le défenseur direct, ok. Ouais, en même temps, c'est logique, c'est Kevin Durant qui défend sur LeBron James, donc du coup, il va pas falloir le lâcher. Après, comme je l'ai dit, le niveau de difficulté, je sais pas du tout ce que ça va être. Je sais pas du tout. Bon, après, là, voilà, j'ai vraiment l'habitude de NBA 2K, donc du coup, c'est pas du tout pareil. Ouh, bien joué, Kyrie Irving. C'est pas du tout pareil que NBA 2K, tout simplement, au niveau... Au niveau, comment dire, au niveau jouabilité et tout, au niveau des déplacements, pourquoi Kenter il se met en poste haut, je ne sais pas. Où je t'ai vu? John Waiters. Ah mince. Ouais, par contre, il va falloir que je comprenne comment on relâche le ballon correctement. Parce que là, ça fait deux fois que je lâche la balle assez bizarrement, même sur le lancer. Donc attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un truc au niveau des paramètres. Voilà, paramètres de jeu. Ah, je peux choisir. Ok, d'accord. Bon. On va pas choisir le de changer les... Ah, je peux pas. Ouah, c'est abusé. Genre, on peut pas changer de... comment dire? On peut pas changer de vue. On doit laisser la vue telle qu'elle. Demander un temps mort, ça, je m'en fiche. Installation, bah ça. Ok, donc de toute façon, on verra ça par la suite. Ok, voilà la style. We've got... Ah, je sais même pas... Ah, alors, attendez. Par contre,
au niveau des passes et tout, parce que moi j'aimerais bien savoir comment faire des passes un petit peu plus précises, donc ça c'est les trucs de base. Mais par contre, genre par exemple lancer un alley-oop, des trucs comme ça, je sais pas du tout, parce que sur voilà sur 2K on a quelque chose de précis. Donc en termes de passes, alors alley-oop, appuyez vite sur rond. Voilà, donc du coup ça a rien à voir. Déjà, faut même pas toucher aux gâchettes. Donc du coup voilà. Ok. Appuyez vite sur rond. Non, 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 je vais pas faire ça tout de suite. J'ai pas commencé à faire n'importe quoi. Ibaka qui fait une feinte. Ouh. Ah, ok, d'accord. Je viens de comprendre un truc en fait. Ouh, Westbrook. Westbrook. Ouh, faute. Non, ok, d'accord. Non, il y a eu un truc bizarre en fait qui s'est passé. Il y a un truc bizarre qui s'est passé. Parce que je voulais l'envoyer au dunk, sauf que ça fait un truc chelou. Parce qu'en plus là, j'avais vraiment le boulevard, comme on peut le voir au ralenti. Mais bon, heureusement qu'il réussit à terminer en layup. J'ai eu de la chance de ce côté-là. Mais bon, j'aurais préféré quand même qu'il monte au dunk, histoire de voir un petit peu justement son côté agressif à Russell Westbrook. Alors du coup, ok, donc quand c'est rouge, ça veut dire qu'on défend pas forcément au top. Bon, par contre, il faut pas lui laisser. Non, 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 d'accord, ça délimite le périmètre. LeBron James. Ok, bon. Je vais devoir faire gaffe parce que LeBron, il va pas me laisser de chance en fait. LeBron ne me laissera, mince, il me laissera pas de répit, de répit, de répit. Comment on demande un écran? Wow. Ah oui, mince, bah ouais, je suis trop bête. J'ai lancé un. Ah non, 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 parce qu'en fait j'ai l'habitude de toucher, bah, comme je l'ai dit. Donc moi, ce que je voudrais, c'est par exemple demander un système. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est comment jeu d'intérieur? Poster, ok. Pousser, ok. Moi, c'est pas ça. Moi, ce que je veux, c'est demander un écran. Demander un écran. Commande défense. Défense avancée. Pression défense. Non. C'est où? Appui avancé. Appui avancé. Non. Dribble de base. Non. Donc, c'est dans demander un système. Demander un système. Ah, mais en fait, ok, d'accord, je peux changer comme ça. Donc, dès que vous recevez le ballon, un système de jeu peut être organisé. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Alors, vous pouvez choisir un système spécifique. Ok, donc si je veux demander un système. Ah, mais je peux pas lancer directement. Ouais, ça c'est compliqué ça. Ça c'est compliqué, ça j'aime pas du tout. On peut pas demander un écran direct parce que là c'est bizarre ça. C'est vraiment bizarre. Alors, accélérer, demander un. Ah, ok, d'accord, non, c'est bon. Ok, j'ai compris en fait. Fallait juste que je regarde la touche juste avant. Bon, déjà, faut pas que je touche au truc rond parce qu'en vrai, ça envoie vraiment l'alley-oop. Non, je pensais pas, je pensais que c'était. Enfin, ça envoyait l'alley-oop dès qu'un mec était placé. Mais là, ouais, même s'il est pas placé, ça va l'envoyer. Du coup, il va falloir vraiment faire gaffe. Ah, mais là, ouais, si vous voulez du bon gameplay et tout pour NBA Live, là, ça va pas être de mon côté parce que pour le moment, ça va être vraiment la galère. Ouh, yes! Bien joué, Durant! Voilà, qui peut monter tranquillement au dunk. Bon, voilà, c'était un petit dunk tranquille. Ah là là, non, non, faut pas relâcher Kyrie Irving. Kyrie Irving, si tu le lâches, bah, ça va faire mouche. Non, 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 tes pump fakes, ça ne passe pas. Tu peux tenter tes pump fakes pour ton petit plaisir si t'as envie. Non, 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 aide! Ouh, get back! Bah voilà, bah voilà, bah voilà. Ouh. Allez. Oula, 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 oula. Waouh, non mais attends, attends, il y a encore une fois, là j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé au niveau du tir. Ça aussi, faudrait qu'il y ait une salle d'entraînement, je sais pas du tout s'il y en aura une. À mon avis, s'il y en a une, mais dans la démo, je sais pas du tout. Parce qu'en plus de ça, la démo, elle s'est pas totalement téléchargée, donc du coup, je sais pas comment ça se passe. Attention, oh là là, et on se mange un 3 points dans la gueule, by J.R. Smith. Allez, John Waiters, ouh! Pourquoi il y va en layup? Le mec, il veut pas accélérer, il veut pas, je sais pas. Hein, le mec, il est fatigué, il s'est dit non, non, aujourd'hui, c'est tranquille, c'est repos. Donc, ok, pour le moment. Ah, ok, d'accord, les changements, ça se passe comme ça, Augustine. Vas-y, bah, si tu veux. Si tu veux. Je sais pas du tout si j'ai des gens qui sont sortis ou pas. Je sais pas si ça a validé le truc. Ouais, si, 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 déjà, il y a un mec avec le bandeau, donc ça doit être Reggie Jackson. Ou LeBron James. Oh là là, on se mange encore un 3 points. Non, c'était un. Enfin, je sais pas en fait. Non, je crois que c'était un 3. Ouais. Ils étaient à 9. Ils étaient à 9. Ouais. C'est quasiment sûr. Ouh.
Morrow, dang dang. Bien joué, Morrow. Bien joué, bien joué. Mais j'ai toujours pas compris le truc du système en fait. Enfin, le système de tir. J'ai toujours pas compris. À mon avis, c'est un truc bête, mais non, non, non. Enfin, je me suis pas focalisé en fait. Je regarde pas. Je me concentre sur la jauge. Et en fait, il y a une autre jauge qui apparaît. Du coup, c'est la galère. Enfin, en tout cas, pour moi. Oh là là. C'est le festival à 3 points. De leur côté, là, ils sont déjà à, je crois, 3 paniers à 3 points. Oula, oula. Wouah, le retour en zone. Ah, bah oui. Ah, mais je suis vraiment bête. Bah, hein. Wouah, le mec ne sait pas jouer au basket. Oula, pouh. Je pensais qu'il allait rester. Varejao, stay here, mon gars. Reste ici, reste sur place. Voilà, tu es à la maison. Ouh, je t'ai vu. Ibaka, dang dang, encore une fois, bah ouais, Serge Ibaka il est capable de tirer à 3 points, ça je le sais. Ça je le sais sérieusement depuis Touquet. Depuis Touquet, je crois, je sais pas si c'est cette année ou dans l'opus précédent, mais je le sais depuis pas si longtemps que ça qu'il était. Ouh, yes, la steal, qu'il était capable de shooter à 3 points. Bon, après je vais pas non plus en abuser. Allez, on va demander, voilà, écran. Ah, j'avais pas vu, j'avais pas vu. Ah, dommage. Non, j'ai entendu le temps en fait parce que j'ai pas mis mon casque, mais j'ai entendu parce que j'ai mis un petit peu le son de la télé. Ah, c'est le Game 7. Ok, d'accord. En fait, ils ont fait un Game 7. Bah, ok, pas de souci. Pas de souci. Du coup, on est devant. Ah, c'est dommage. Ouh, non, mais par contre, c'est pas à lui de défendre. Non, non, non. Aide, aide, aide. Oula. Oula, là, non, 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 c'est compliqué ça. C'est compliqué, mon ami, c'est compliqué. La prochaine fois, tu feras plus attention. Alors, attends, l'écran, c'est comme ça. Ah, mais faut ré. Ah, mais c'est trop nul! Parce que sur Touquet, tu peux ré. Ah, ouais, ok. Ah, yes! Yes! Voilà. Ok, je crois que j'ai compris en fait le système. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Non, en fait, c'est. Enfin, c'est pas que c'est nul, mais j'ai tellement l'habitude de toquer que, en fait, j'ai pas l'habitude de maintenir l'écran, en fait. Et là, faut vraiment garder la gâchette, sinon la défense. Enfin, sinon l'écran il se fait pas, en fait, tout simplement. Le mec il part. En fait, il part pour faire l'écran et ensuite il repart. Ouh, et encore! Oh là là, le festival, encore un get back! Allez! Oui! Allez, on termine cette action correctement, les gars. On termine. Yes! Voilà, bien joué Augustine. Non, Morrow, Morrow. Non, c'était pas Augustine, c'était Morrow. On n'a pas la possibilité de faire des changements directs. Ça serait cool ça. Ouh, c'est qui? Attends, j'ai envie de voir le ralenti. C'est Iman? C'est Shumpert? Ouais, c'est Iman Shumpert. Waouh, comment il est monté? Bien, 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 bien. Ça, beau dunk. Beau dunk de sa part. Attends. Ok, d'accord, si je veux. Ok, donc j'ai les raccourcis comme ça, pas de soucis. Ça me pose pas de soucis. Singer. Ouais, en fait, c'est une question d'habitude après. De toute façon, ça va être ça. Oula, oula, oula. Oh! Attends, attends, attends. Comment on fait pour se mettre au poste? Parce que là, je voulais me mettre au poste, sauf que ça a tiré tout simplement. Donc, poste. Ok, d'accord. Parce que j'ai appuyé sur triangle en fait. Attends, mais c'est quoi triangle alors dans ce cas-là? Triangle, ça sert à quoi? Triangle, préparation. Ok, bah je sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas ça m'a fait tirer. C'est le seul truc que je sais. Genre c'est même pas de la préparation là, ça a carrément lancé le tir. J'ai bien appuyé sur triangle et tout. Mais ok, bah je sais pas du tout ça sert à quoi. Ouh, compliqué. Ah, il le met quand même, purée. Allez, 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 jouez vite les gars, jouez vite. Voilà. Ça, le jeu rapide, c'est quelque chose de très important. Je pensais que la passe. Ouh! Allez, s'il te plaît, mets-le! Dang, dang! Ah, yes! Ah, les gars, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, temps mort de demander par les Cavaliers. Les Cavaliers. Alors. Ah, ils veulent mettre Durant en poste 4. Attends. Ah, Ibaka, il s'est reposé, du coup. Ce qu'on va même faire. Ça, c'est l'ailier. L'ailier, on va mettre Kevin Durant. Voilà. Augustine, on va.
Je sais même pas si. Ouais, si, c'est bon, ça a validé. Je sais pas ce que ça avait marqué en fait. Parce qu'il y avait quitté, mais l'autre, je sais pas. Peut-être c'était pour revenir justement dans les changements. Je sais pas. Je regarderai tout à l'heure. Non, non, non. Défends bien, défends bien. Allez, KD. Ah ouais, non, là, à mon avis, il doit être aussi cheaté, LeBron. Ouh, oh là là. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. En même temps, la défense, là, elle était inexistante. Ouh là. Ouh, les passes comme ça, des fois, sur Touquet, ça passe pas. Ah! Ok. Ouh! Posterize! Enfin, je sais pas si c'est vraiment un poster ou pas. Mais par contre, le truc de poster, j'ai pas trop compris. Ouh, mais si! Mais si sur Mozgov, sur la gueule de Mozgov, hop là, bah ouais, on vient de dunker sur la gueule sans pression. Ah là là, le respect a disparu. Le respect a disparu. Non, mais je sais pas. Je sais pas. Oh là. Non, maintenant c'est au tour de Kevin Love. T'es sérieux? Maintenant c'est au tour de Kevin Love de dunker dessus. Comme ça. Le mec. Hop là, tranquille. En même temps, là c'était le boulevard. C'était les Champs-Élysées le truc. La défense de Strax, oh là, inexistante. Non, mais c'est vraiment la galère quand. Oula, 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 non, 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 non. Ok. Ouh, allez! Non. Non, non, non. Ok, donc en fait, le principe du tir, j'ai compris. J'ai compris, en fait, il y a un ballon et pour. Enfin, plus t'es proche du truc, plus t'as de chances de scorer. Ça, ok. Et après, bah, si le défenseur est là, ça va te gêner et tout. Oh là, ouh là là. Oh, purée, Mozgov. Non, mais. Lui va vraiment m'énerver à force de faire des choses comme ça là. Oh, il a style de LeBron. Ah, le mec, il a des bras. Enfin, il a même pas des bras, il a des tentacules. Des tentacules, j'ai l'habitude d'utiliser justement ce mot-là. Tentacules. C'était vraiment le cas là. Waouh! Waouh! Oh non! Non, attendez, 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 attends, j'ai bien regardé. Non mais hey, ça c'est vraiment abusé là le panier qui vient de me mettre sur la gueule. C'est vraiment abusé. Non, il y a des fois je suis d'accord ça passe, mais ça c'est de la chance. Ça c'est vraiment de la chance. Non! Waouh! Non mais comment on fait les feintes? Parce que là je voulais pas tirer encore une fois. Attends, le jeu au poste. Le jeu intérieur, mouvement au poste. D'accord. Poster de manière agressive, ok. Poster, ouais. Mais pourtant, poster, j'ai essayé de le faire, à moins qu'il faille appuyer dessus, vraiment. Mais je pense pas. Je pense pas du tout que ce soit comme ça. Enfin, je sais pas, c'est assez spécial le truc. C'est assez spécial. Après, on verra bien de toute façon. On verra bien. Oula, pou, yes. Yes, yes, yes. Allez, let's go, let's go, let's go. Ouh, ça tourne bien, ça tourne rapidement. Voilà, genre c'est la passe à 10 le truc. Allez! Waouh! Ça passe pas? Ouh, non, non, non! Oh là là! Appel de pied, montée de main! Il fait mal, il fait mal, il fait mal, il fait mal. What? J'ai dû le demander sans faire. Ah non, ok, d'accord, c'était la fin en fait, j'ai même pas capté. Ah ouais! Ah ouais, ça se termine vite en fait. Oula, ouais, j'avais pas capté que c'était. Enfin, si, j'avais capté, mais pour moi, ouais. 5 minutes, ça passe pas aussi vite. Bah oui. Ouais, c'est logique, c'est logique, c'est logique. Allez. Oula. Ouh, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Les dunks là. Non, faut vraiment que je gagne. Allez, viens, viens faire l'écran. Kenter. Allez. Ouh, yes! Voilà, Enes Kanter, le Turc. Notre ami Turc là. Ah, bien joué. J'attendais vraiment que quelqu'un monte comme ça. Justement, s'il a le champ libre et tout comme ça, il faut en profiter. Il faut en profiter vraiment. Non, Mozgov, ouais, c'est bon. On peut le laisser un petit espace à 3 points. De toute façon, voilà, c'est pas lui qui va être une menace. Allez. Bon, de toute façon, enfin non, en fait, j'allais dire faut pas que je perde, mais en même temps, c'est un truc de découverte et tout. Là, c'est la première fois que je joue.
J'avais même pas lancé de truc avant. J'ai même pas lancé le jeu histoire de tester. Donc du coup, ouais, c'est vraiment de la totale découverte. Oh là là. Non, en fait, non, le truc du ballon, en fait, c'est pas ça. Non, c'est au niveau du timing, faut que je les connaisse, ceux de certains. Je t'ai vu. Ah, il faut qu'ils le fassent, ouais. Yes, voilà, tranquille, on y va en deux temps, on prend pas de risque. Et ça nous permet de revenir justement à moins 1. Mais là, ouais, il y a vraiment des grosses différences. Sérieusement, pour une personne qui a l'habitude de jouer que à 2K, pour s'adapter à ce jeu, à mon avis, il faut du temps. Enfin, en même temps, même à 2K, on va pas se le cacher, même à 2K, il faut un temps d'adaptation. Tu peux pas devenir fort dans un jeu comme ça en claquant des doigts. Mais ouais, là... Pourtant, 2K, ouais, j'ai vraiment l'habitude. Mais là, NBA Live, pouh! Oula, ouais, c'était compliqué, ça, on va pas se le cacher. En même temps, tirer avec Serge Ibaka en mouvement et tout à 3 points comme ça, c'était pas forcément la solution avec KD peut-être. Ouh, lolo, non. Mozgov, il est chaud, il est dans son match, le Mozgov. Il est dans son match, il est dans son élément peut-être aussi. Ouh, yes, ouh, and one. Bien joué, Kenter. Allez, je veux voir le ralenti. I want to see the ralenti. Comment on dit ralenti? Je sais même pas. Je sais même plus. Ouh, et J.R. Smith qui pouvait strictement rien faire. Il y a une différence de taille. Il y a 76%. Mais au niveau de la jauge, je comprends toujours pas en fait. Alors, il est où le truc du tir type de shoot? Step back. Fade away. Ok, dunk, ok, régler le shoot. Pendant un layup pour un dunk. Ouais, non mais moi c'est pas c'est pas du tout ça que je veux. Moi c'est vraiment les bases de chez base. Ouais, ils sont, c'est pas grave. C'est pas grave, mais bon. On verra ça par la suite. Alors attendez, je vais juste regarder un truc au niveau du téléchargement. Où ça en est. Ok, donc c'est passé à 6h. De toute façon, à mon avis, on testera ça un autre jour. Ça sera pas le jour même qu'on testera les différents modes. J'aurais dû laisser ma console en fait, parce que je pensais que tout s'était téléchargé. Ah mince! Mais en fait, quand vous téléchargez la démo fait 24 et quelques gigas. Sauf que dans un premier temps, ça va télécharger, je crois, 5 ou 6 gigas, un truc comme ça. Ok, bah il le met tranquille. Ça va télécharger 5 ou 6 gigas et ensuite. Comment dire. Et ensuite en fait ça va continuer. Mais ça j'avais pas capté que ça allait continuer. Et du coup bah voilà. Ça c'est une bêtise que j'ai faite. Ouh. Allez. Yes. Voilà. Allez. 3. Plus que 3 points. Mais les 40% et tout, ouais, il faut vraiment que je connaisse les tireurs. Il faut vraiment les connaître. Parce que là ouais, c'est vraiment une galère. C'est vraiment une grosse galère. Ok, donc le croix c'était pour ouvrir, ouais. Voilà. Là j'avais bien regardé de quoi il s'agissait. Il s'agissait tout simplement d'ouvrir le truc là. Ouh. Wow, ok, bon, bien provoqué là de la part de Irving, Kyrie Irving. Allez, rate. Bien sûr, il va mettre les deux. Enfin, en même temps, c'est à peu près comme en vrai. Voilà, un meneur et tout. Il n'y a pas vraiment de meneur qui a un taux de réussite au lancer faible. Enfin, j'en ai pas à ma connaissance en tout cas. J'ai pas de meneur. Enfin, après, c'est pas forcément les meneurs qui vont tirer beaucoup de lancers en fait. C'est surtout les intérieurs. Voilà, parce que les. Oula. Je sais pas du tout ce qui s'était passé. J'avais vu 0-4. Je croyais qu'il restait 4 secondes ou je sais pas quoi. Allez. Dang. Et encore une fois. Allez, 2. Heureusement que je marque mes 3 points. Après, pas tout le temps, mais bon, j'en ai quand même marqué peut-être 4 ou 5. Un truc comme ça. Donc du coup voilà, ça nous permet toujours de rester dans ce match parce que sérieusement, attaquer à l'intérieur, je pensais pas que c'était aussi compliqué. Après ouais, à mon avis, à force de jouer, répéter et tout, voilà, ça devient plus facile, mais bon. Là, et même au niveau de la défense et tout, je vois bien que pour moi c'est un trou. Hein. Là ouais, c'est vraiment du gruyère mon truc. C'est vraiment du gruyère. Allez, on fait tourner. Allez, de l'autre côté, non.
Pump fake qui ne passe pas. Oula. Waouh, mais je voulais toujours pas tirer. Non, j'ai eu de la chance. Parce que là, c'était encore une fois pas un tir. Mais alors, pas du tout. Je voulais faire la feinte pour justement le faire sauter. Limite un pump fake. Ou le faire sauter d'un côté et après terminer de l'autre côté. Mais j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, ça a tiré direct. Donc, après, heureusement que voilà, la défense n'était pas non plus extraordinaire. Mais bon, voilà, c'est assez galère. Yes, allez. Il reste 12 secondes, les gars. Oula. Ouh. Oh non. Oh, le panier qu'il a mis, KD. Il est dans la place, le man. Il est dans la place. Dans la supla. Ah, mais c'est vraiment compliqué. Waouh. Il l'a mis au buzzer. He beats buzzer beater. Kyrie Irving. Il est chaud. Il est chaud, Kyrie. Ouais, mais même un petit peu trop, là, à mon goût. Allez, non. Ouh, yes, Kenter. Merci, mon gars. Merci, mon ami, my friend. Non. Allez, viens, on va demander un écran, tu sais quoi. Ouh, je t'ai vu, Kenter. Waouh, abusé. Putain, les LeBron, ça fait déjà deux styles qu'il me fait. Mais ça va, même si je gagne pas, je me dis que voilà, j'étais quand même assez proche de cette équipe. Wow, il a bien provoqué la faute. Non mais lui, il est abusé dans ses mouvements, même en vrai. Hein. Kyrie Irving, c'est vraiment compliqué de le suivre. C'est vraiment très 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 compliqué de le suivre. Donc le mec, il est déjà à 2 sur 2 au lancer, maintenant 3 sur 3. Allez les gars, on est au game 7. On est au game 7. On veut remporter ce match. On veut vraiment le remporter. Ah, je pensais que ça allait sortir, mais non. Mais bien sûr que non. Ça ne va jamais sortir. Bon, par contre, j'espère qu'au niveau des gâchettes et tout, ça va pas être. Enfin, ça va pas trop s'entendre et tout. Parce que là, depuis tout à l'heure, je martèle sur ma manette. Pourquoi c'est lui qui fait les. Waouh. En fait, j'ai trop de petits sur le terrain. Yes! KD for the slam. Hop, il avait pris l'écran LeBron. Pas de défense sur KD. KD, il a le champ ouvert. Il va dunker sur la gueule des autres. Ouh, et en plus, ah yes. Yes, bah ouais. Non, je pensais pas du tout qu'il y avait faute. En plus, il a obtenu le N1. Ah ouais. Ah ouais, 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 ok, d'accord. Le mec, il est comme ça. Genre, il provoque les N1 et tout sans que je le remarque. Ah, c'est la meilleure, ça. Non, mais non. Ah, je regardais pas. Je regardais pas l'écran. Mince. Il s'est passé quoi là? Il s'est pas. Oh yes, il y a eu un retour en zone. Oh. J'ai vraiment de la chance, mais c'est abusé cette chance. C'est vraiment abusé. Bon, il reste 12 secondes. Allez, allez. Faites-moi un écran correct, s'il vous plaît. Ouh. Yes, et voilà, encore une fois. Encore une fois, KD. KD, KD, KD. Hop là. Mais non, mais moi, je veux pas le ralenti, de toute façon. Je ne veux pas le ralenti. On s'en fiche du ralenti. Nous, ce qu'on veut, c'est remporter le match, jouer rapidement, et voilà, avoir le titre. Ouais, oh yes. J'ai surtout envie de voir comment ça se passe, parce que ça se trouve, on verra la remise de titre et tout. C'est tout à fait possible, ça. Enfin, dans la logique, ça serait ça, mais bon. Après, je sais pas, ça se trouve, la démo elle va s'arrêter avant, je sais pas. Enfin, elle va s'arrêter avant, non, elle va pas s'arrêter avant, mais. Yes! Ouh! Morrow! Non, Waiters, c'est Waiters, ça. Ouais, John Waiters. J'ai reconnu sa petite tête. Non, j'avais l'habitude de jouer avec Morrow tout à l'heure, donc du coup, c'est pour ça que j'ai dit que c'était Morrow. Mais ouais, en regardant la tête, c'était bien John Waiters. Ouh! Non, 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 la défense. Ah, les gars, la défense. Et pourquoi c'est lui qui défend? Yes, allez, allez. Il reste 2 minutes et quelques. Ah là, c'est maintenant qu'il faut creuser l'écart. C'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Allez. Vas-y, on va jouer tranquille. Tu sais quoi, on va pas prendre de risques. Ouh, je t'ai vu. I see you. Ouh, see you again, mon gars. Allez, à la prochaine. Allez, on est à plus 3, les gars. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est now. Allez. Vas-y. La clé de la réussite. Ouh.
LeBron James, get back! Get back, LeBron! Get back, baby! Ah, yes! Ah, ça, c'était LeBron qui était 4, qui était 5. Waouh, ils avaient mis LeBron en 5. Encore en 4 et tout. Après, LeBron, voilà, il peut jouer tous les postes, mais bon, le mettre en 5, c'est pas forcément la solution. Ah là 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 là, ça a été un truc. Ok, c'est pour ça qu'il était moins présent. Mais en tout cas, il s'est bon, enfin, il s'est bien pris un bon get back là, un gros get back dans la gueule même. Un gros get back dans la gueule, ça, ça fait plaisir. Ça fait vraiment très plaisir. Vas-y. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va redemander un écran. Ouh, Russell Westbrook. Vas-y, moi, ça, je veux le ralenti parce que voilà, comme ça, j'aurai un petit peu le ralenti de chacun. Chacun de mon effectif. Kaboom. Les let's go, les gars, c'est pas terminé, c'est pas terminé. Là, ils peuvent encore revenir. Il y a que 3 points d'écart, sérieusement, 3 points. Comme on a pu le voir, c'est rattrapable très, très, très rapidement. Oula, il force. De toute façon, ils vont vouloir jouer rapide. Ouh, Russell Westbrook est avec un alley-oop, les gars, avec un alley-oop. Et yes, yes, bitches, DJ Augustine pour Russell Westbrook. Et ouais, en vrai, voilà, ça, il est beaucoup exploité de ce côté-là, Westbrook. Il est vraiment beaucoup exploité de ce côté-là, donc du coup, il faut en profiter. Non, 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 non. Yes, encore un raté. Encore un raté, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Du coup, ça, je vais pouvoir jouer tranquille. John Waiters à 3 points. Non, il était seul en plus. Oh là là, c'est abusé, c'est abusé. Non, il faut vraiment que j'apprenne à tirer avec ça. Il faut vraiment que j'apprenne à tirer. Oh là là, et en plus. Ah, c'est un 2. Ouh, il était... Ouah, la balle, elle est... Sérieux? La balle, elle est sortie? Oh, oh non. Oh non, 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 ça, c'est pas bon, ça. Ça, on leur donne la balle. Ouah. Attends, attends, c'était Kyrie? Bah ouais, c'est Irving. Ouais, il est monté au dunk tranquille, bah ouais. Ouh là là. Ouah, 50 secondes. Non, sérieusement, un point, c'est rien du tout. C'est ça le souci. Yes! Serge Ibaka, yes mon gars, yes, yes. Ah, j'étais vraiment en train de me concentrer là sur l'action. Yes, 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 yes. Allez les gars, allez, allez, allez. C'est pas terminé. C'est pas terminé, on est seulement à plus... Non, mais non. Waouh, mais c'est quoi ce jeu intérieur? Parce que normalement, la défense de base, elle doit se concentrer sur justement le mec qui est seul, là. Non, commence pas à faire n'importe quoi. Oula, 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 oula. Viens, viens, viens. Oula, oula. Y'a pas... Yes. Attends, attends, y'a faute? Y'a quoi? Y'a temps mort? Y'a quoi? Il se passe quoi? Non, je crois... Ah, c'est un temps... Ah, oh, y'a même pas faute. Non, je pensais vraiment qu'il y avait faute. Oh là 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 là. C'est la galère, c'est la galère. Yes! Ah ouais, mais du coup... Bah oui, bah bien sûr que oui. Bien sûr que oui, ils vont faire les fautes, bah oui. Ah, mais c'est même pas comme dans 2K, parce que dans 2K, c'est galère à faire les fautes parfois. Et là, t'as même pas le temps de faire la passe que le mec, il a fait la faute. Ok, ça, c'est bien pensé de la part de 2K. Wouah, 80... Vous avez vu ça? 88%, ça passe... Oh là là, en plus, c'est le moment clé, ça. Oh là 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 là, non. Non, 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 s'il te plaît. Yes. Ah ouais, non, mais c'est... C'est abusé. Par contre, ouais, je reste longtemps, je crois. Ah là là, non, 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 c'est pas maintenant qu'il faut craquer. Surtout sur les lancers, ils peuvent marquer à 3 points, c'est ça. Non! Yes! Non! Y'a faute! Y'a faute! Ah non, ok, la balle elle est sortie. Allez, allez! Ils ont pas le temps, ils ont pas le temps, ils ont pas le temps. Défendez bien. What? Il compte ou pas? Il compte ou pas? Non, 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 il compte pas. Yes! Yes, il compte pas. Yes! La victoire! Yes, les gars! Yes!
Yes, yes, yes. Bien joué les gars, bien joué, vraiment excellent. Ah yes. Ah non, ça fait vraiment plaisir là, ça fait vraiment plaisir. Là, ils ont vraiment bien joué l'équipe. Oh non, je pensais qu'on avait perdu. Oh là, pas qu'on allait en prolongation. Mais du coup, c'est la victoire. La victoire à la clé. Post-game, je sais pas ce que c'est que ça. Donc, du coup, d'accord, on a même pas. Enfin, ça nous montre même pas les trucs. Alors, du coup, highlight. En tout cas, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que continuer vers NBA Live. On verra ça par la suite. Ça, c'est pas un souci parce que de toute façon, voilà, c'est en cours de téléchargement comme vous pouvez le voir. Voilà, on est à 8 gigas et quelques sur 24. Donc, peut-être que je ferai ça plus tard. Enfin, c'est sûr que je ferai ça plus tard. Mais bon, en tout cas, voilà. La première partie de la vidéo, elle est faite. Donc, je vous dis à la prochaine, les gens. Salut, salut. Here's Randolph. And it's Gasol with the rebound. Very dangerous to leave a guy like that open. Lucky break there for the D. And the bucket counts, and he's on his way to the free throw line. Try to make it a three-point play. So it'll be Jimmy Butler shooting. Michael Conley picks one up.